km à l'heure. OK. Il y a un vent de 295 km à l'heure, c'est un vent qui a déraciné un pied bois carrément dans la terre et puis le rachet le mettait la terre. Donc, il y a des vents dévastateurs. Pression qui accompagne l'ouragan, ça, sont le paramètre important tout dans un cyclone. Pression centrale là, au niveau de la mer, il est vraiment baissé jusqu'à 926 millibars. Pression yon cyclone, c'est yon paramètre tout qui permet ou évaluer qui grosseur cyclone ça y est. Plus ou gon pression qui petit, qui très basse, eh ben c'est plus cyclone nan li gros. Et lor gon cyclone tout ou est pression li a baissé, ça veut dire son cyclone cap augmenté. Étant donné que Irma pour le moment pas ka monter plus haut que sec parce que c'est dernier niveau, mais ça pas empêché à ce que pression centrale a chuté toujours. Donc ça veut dire vent a augmenté. C'est deux paramètres inversement proportionnels nous avons dit. Pression descend, vent li augmenté. Donc ça vient faire cyclone vient plus gros nèg, qui ca frapper plus fort. Et comme ça tout paramètre la pluie qui marchait avec cyclone ça, li empire. Je dis nous que son cyclone qui portait environ plus que 600 mm la pluie par heure. Donc, lorsque 600 mm la pluie, 1 mm la pluie, c'est plutôt 1 litre d'eau sur 1 cm, sur 1 mètre carré. Alors, sur 1 cm carré. Donc, lorsque 600 mm, c'est là où il y a presque 600 litres d'eau qui sur 1 cm carré. Vous pouvez comprendre, c'est que c'est l'eau que le cyclone a charrié avec. Mais, cyclone, est-ce que nous capables, la question à demander pour qui pourrait mettre tout le monde clair, est-ce que son cyclone cap dirigé directement sur Haïti? Réponse là, non. C'est pas un cyclone cap dirigé directement. OK. Pour qui raison, nous dit, il n'est pas dirigé directement, c'est parce que son cyclone, ça, il est situé en mer. Donc, il n'est pas situé sous côte ou sous terre, sous pays d'Haïti. Son cyclone qui a une trajectoire ouest qui peut virer ouest nord-ouest, donc ça veut dire qu'il va passer au nord de Porto Rico, okay, au nord de Saint-Domingue, mais pendant nous mettons en tête nous c'est sous la mer ça qui va passer et qui passer au nord d'Haïti entre côte Haïti et les côtes Bahamas. Donc okay, c'est là ça qui va pour passer avant il va atteindre Cuba et même monter au niveau Miami la Floride. Mais trajectoire ça vient rendre Haïti vulnérable. C'est pour ça que toute mobilisation ça y est Wislin par rapport à cyclone ça, même si cette là passe sous nous, mais vent yo cap souffler dans cette là bon distance yo aller, vent ouragan yo sorti dans cette là yo aller jusqu'à 95 km. Donc le fait que les côtoyer côte sud là, côte nord là, ça vient mettre toute région nord, nord-est, nord, nord-ouest très vulnérable en bas gros vent d'ouragan. Et vent qui gagne force de tempête, yo même, yo soufflé dans rayon qui allait plus que 230 km. OK. Et ça vient rendre l'autre la Tibonite, l'ouest un peu centre, zone ça yo vient menacer par force vent de tempête qui dans cyclone ça. Période qui restait jusqu'à date pour Haïti commencer ouais effet cyclone ça, c'est jeudi. À partir de jeudi dans la journée, prend le vendredi et dans la journée aussi jusqu'à samedi même nous avons toujours été dans un temps côté n'a senti effet cyclone avec la pluie, gros vent, bruit orage, la mer cap mauvais en pile au niveau côte nord là surtout de son mer qui a praticablement comme si qui a impraticable côté monde pas capable naviguer. Donc c'est tout ça cyclone ça gain prévoit pour l'hypothèse sous pays d'Haïti à partir de jeudi la nuit vendredi, alors la nuit de jeudi voire vendredi dans la journée.